Welcome to the Stéphanie Show. Bienvenue à The Stéphanie Show. Si c'est votre première fois, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner. If it's your first time, please, please, please do subscribe. And I'm so sure you're not going to be disappointed, okay? Thank you very much and see you soon. Ayra Starr, c'est une chanteuse nigérienne, mais née à Cotonou, Bénin. Elle a 20 ans, elle est active depuis 2018. Jusqu'à présent, elle est signée par Marvin Records au Nigeria. Elle a deux frères, deux sœurs et franchement, elle est talentueuse, ok? Elle chante bien, ses musiques, it's popping. C'est sur YouTube, Instagram, tout le monde adore sa chanson, ok? Elle a du talent, elle a du talent, elle a du talent. Elle a toujours été encouragée par sa mère pour faire de la musique, pour écrire, etc. Sa maman disait, tu ne vas pas chanter, je ne sais pas, fais quelque chose, tu sais, la musique, c'est ton talent, tu sais, tu es fort dedans, c'est ton truc. Sa maman l'a encouragée tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. De toute façon, elle exprime, elle dit très bien qu'elle adore la musique, elle a toujours su qu'il fallait qu'elle fasse la musique. Depuis qu'elle était petite, elle a commencé à chanter à la chorale, je crois qu'elle avait 6 ans, 7 ans. Et on se moquait d'elle, on disait, oh, toi, tu ne sais pas chanter, tu es nulle, ta voix est nulle, je sais pas quoi. Elle disait, non, ce n'est pas possible, je sais chanter. Et un jour, je deviendrai star, vous allez voir. Et comme par hasard, aujourd'hui, elle est star. Ayra Starr, avec ses frères et sœurs, ils aimaient chanter ensemble quand ils étaient petits, etc. D'ailleurs, même elle a un de ses frères qui est auteur, compositeur, producteur, guitariste, chanteur aussi, mais il n'a pas encore percé, il n'a pas encore voilà, au même niveau que elle. Mais la plupart de ses covers qu'elle a fait, les interprétations de d'autres chansons à sa manière, c'était avec lui qu'elle faisait. Et aussi, voilà, entre dans la famille avec ses frères et sœurs, ils aimaient chanter quand ils étaient petits, d'accord. Donc je pense quand même que c'est une famille qui aime la musique. La musique, c'est en eux, si je peux dire ça comme ça, etc. Et elle est celle qui est chanceuse ou celle qui a été destinée, je ne sais pas, pour le moment, à exercer ce métier-là et qui l'a ramenée là où elle est aujourd'hui, ok? En plus, Ayra Starr a commencé l'université, je crois, elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans quand elle a commencé l'université, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très intellectuel. Ses frères avaient 15 ans et 16 ans. Elle était la plus jeune de toute l'université à avoir 14 ans. Elle était un peu timide. Elle disait jamais qu'elle avait 14 ans quand elle arrivait à l'université. Et le jour qu'elle a dit qu'elle a 14 ans, il y avait une, je crois c'est une meuf, je ne sais pas quoi, qui l'a tabassée, qui l'a tapée et tout. Je lui ai dit, toi, tu es une gamine, toi, tu me parles comme ça, nanana. Bref, pour couper l'histoire courte. En tout cas, elle et ses frères étaient les plus jeunes de leur université. Donc, je pense que ça dit quand même un niveau français. Le français, là, vraiment. Yes! English or French? Which one should I say? Oh, God. Intellectuel. Voilà. Je pense que c'est une famille quand même qui est très intellectuelle, puisque ses frères et sœurs, pareil, ils sont aussi intelligents qu'elle. Ayra Starr a été découverte sur Instagram par Don Jazzy. Eh oui, donc elle faisait des reprises des chansons, elle faisait ses propres chansons également. Donc 3 heures après avoir posté sa vidéo où elle chantait, elle a reçu un message de Don Jazzy. Eh oui, qui lui dit, j'aimerais bien te rencontrer. Donc pour elle, c'était irréel, c'était un rêve, c'était genre impossible. Parce que Don Jazzy est un producteur top de top au Nigeria. Donc il lui a fait signer dans son label Marvin Record, et Marvin Record est le label le plus top ou une des labels le plus top the top of the topest du Nigérien, ok? Donc tous les jeunes hommes, femmes, everything, you name it, souhaitent être signés par, you know, Marvin Record, right? Donc, vous pouvez imaginer comment elle était excitée, comment elle était contente. En fait, je pense pour elle, c'était un rêve, genre elle n'avait pas encore réalisé. Je pense que vous connaissez ce sentiment que tu rêves quelque chose, tu souhaites quelque chose et finalement, tu le reçois, mais tu as l'impression que c'est pas ça. Tu te dis, non,
Je pense que c'est une erreur. Tu re-regardes, tu re-regardes, tu re-regardes encore. Tu dis non, 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 c'est un rêve, je rêve, c'est pas possible, il m'a pas écrit. Mais non, 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 non. Je me suis fait signer par Marvel Records. Mais allô, d'or. Tu vois, on connaît tous ces sentiments-là. Quelque chose que je sais tellement, que tu, ça t'arrive, que tu le... Bref, vous avez compris. Donc, elle était toute excitée. Et c'est comme ça qu'elle a commencé sa carrière de chanteuse, etc. Elle sort son hit single, etc. C'est comme ça qu'elle commence à monter et devient la Ayra Starr d'aujourd'hui, right? Ayra Starr, elle dit qu'elle s'inspire de Rihanna, de Beyoncé, de Angelique Kidjo, de Billie Eilish, pas mal de célébrités internationales, surtout américains et africains aussi. Donc, la plupart de ses chansons sont sur la vie réelle, elle chante sur la vie réelle, les histoires réelles. Et en plus, après la rencontre de Don Jazzy, elle sort un EP et ensuite elle sort son single Away qui a cartonné au Nigeria, etc. Elle a composé cette chanson justement avec son frère. Donc lui aussi, il a eu son cachet dans cette single-là. Et ensuite, elle a sorti son album 19 and Dangerous. Et dans cet album, il y avait le single Bloody Samaritan. Et Bloody Samaritan a cartonné. Eh, Seigneur! TikTok, Bloody Samaritan. Instagram, Bloody Samaritan. Facebook, Bloody Samaritan. YouTube, Bloody Samaritan. Partout, Bloody Samaritan. Mais sa chanson-là a cartonné. Pour vous dire même qu'elle a fait un remix de Bloody Samaritan avec Kelly Rowland. Yes! Kelly Rowland de Destiny Child avec Beyoncé, Michelle et Kelly Rowland herself. Et oui, 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 oui. Elle a fait un remix de Bloody Samaritan avec Kelly Rowland. En plus, c'est bien. Moi, j'ai écouté. C'est bien. C'est pas mal. Hein? C'est une gamine. C'est une petite cadre de, hein, d'avancer. Hein? Ça, c'est bien. C'est bien. C'est bien de voir des jeunes qui progressent, qui vont loin. J'ai pris et j'espère seulement pour elle qu'elle va profiter de ça et faire quelque chose de concret dans sa vie et avoir un impact positif sur beaucoup de jeunes personnes qui la voient comme modèle ou comme son idole, etc. Bref, Ayra Starr, sa série la plus préférée, c'est Big Bang Theory. Elle dit qu'elle est généralement plutôt quelqu'un de calme, voilà, de réservée. Enfin, elle n'a pas l'air réservée, mais dire qu'elle n'est pas timide, mais elle est plutôt quelqu'un de réservé, etc. Donc, elle allait dire une belle personne, elle allait dire quelqu'un de simple. C'est une jeune, quoi. C'est une jeune de 20 ans, comme tous les jeunes de 20 ans, qui aime la vie, qui fait la folie, voilà, quoi. Qui chillax tranquille, qui profite. C'est juste qu'elle, il y a l'argent qui va avec, il y a la célébrité qui va avec. C'est juste ça la différence. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire sur elle, puisque ça ne fait pas longtemps qu'elle est active. C'est depuis 2018 jusqu'à maintenant qu'elle est toujours active. Donc, il n'y a pas vraiment grand chose à parler sur son histoire. Et bien sûr, elle fait pas mal de hits avec beaucoup d'artistes au niveau international, au Nigeria aussi également. Donc, je pense que vous le savez même mieux que moi. Donc, c'est une jeune qui est en train de réussir, qui a réussi, qui continue à réussir, etc. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère seulement que, voilà, elle aura un impact positif sur les jeunes qui la regardent, qui l'aiment, qui l'adorent, qui écoutent sa musique, etc. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, c'est la fin de la vidéo, ok? Please, if you're not yet subscribed, please subscribe. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère au moins que vous avez appris quelque chose sur Ayra Starr, ok? Même s'il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y avait quand même quelque chose à dire. Parce que, comme je répète tout à l'heure, elle a commencé sa carrière qu'en 2018, ok? Bon, si vous ne la connaissez pas, si vous avez écouté la musique, vous ne savez pas qui elle est. Maintenant, vous savez qui elle est. Si vous savez qui elle est, vous n'avez pas écouté sa musique, allez écouter sa musique. Peut-être que vous allez aimer. Peut-être vous allez aimer, en tout cas. Elle a du rythme, elle chante bien, sa musique, ça cartonne, sa musique, ça marche. Donc, voilà. Donc, thank you very much for listening to me. Merci, merci, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont pris leur temps à m'écouter jusqu'à la fin. Les pouces bleus, je serai contente. Les commentaires aussi, je serai contente. Et bien sûr, encouragez-moi, motivez-moi à continuer à faire ce que je fais. Et j'espère que vous allez adorer. Et comme ça, plus tard, moi aussi, je continuerai à m'améliorer dans ce que je fais pour vous. Love you all. Bye bye.